commencerai par quelques remerciements pour le très beau décor qui nous a été livré par les jardiniers de la ville de Paris, qui nous permet de débuter cette année 2018 dans un joli décor. Merci. Allô. Permets-moi, chère Anne, de te souhaiter, au nom de l'ensemble de ton exécutif, une très belle année 2018. D'abord, une très belle année personnelle pour toi et les tiens. Et puis, bien sûr, une très belle année pour Paris, pour les Parisiens et les Parisiennes. Une année utile, une année agréable, bienveillante et, nous l'espérons tous, porteuse de nombreuses promesses. 2018, peut-être, sera une année aussi riche, aussi dynamique, aussi mouvementée aussi que l'a été l'année 2017. D'abord, une année riche de victoires, de belles victoires. C'est important de souligner ces belles victoires parce qu'elles sont justement porteuses de promesses pour l'avenir. Nous avons tous en tête cette magnifique victoire des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Enfin, nous ramenons à Paris les JO en 2024. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette très très belle victoire. Et je crois pouvoir dire, pour l'avoir vu de près, que si c'est d'abord et avant tout une victoire collective d'un très beau projet pour l'organisation, la belle organisation des JO de 2024, je voudrais aussi dire, parce que je l'ai justement vu de près, que sans l'engagement personnel, enthousiaste, volontaire d'Anne Hidalgo, nous n'aurions pas obtenu cette victoire et les Jeux Olympiques en 2024. Et que tu en sois, au nom de tous les Parisiens et même au nom de tout notre pays, remercier parce que nous te devons beaucoup dans cette